On passe au dernier de la soirée, mesdames, messieurs. Alors lui, j'arrive pas à le définir. Il a un humour extraordinaire, vous allez le constater par vous-même. Please, du bruit pour Mr. Ayoub. Bonsoir, ça va? Ouais, je suis très content d'être là, même si on dirait pas, merci. Merci d'être venu, hein. Vraiment, j'ai pas l'habitude, merci. La dernière fois qu'il y a autant de personnes qui se sont déplacées pendant me voir, c'était au tribunal. Merci. Tribunal, c'est bizarre comme endroit. Franchement, moi, j'aime pas trop le concept. Déjà, t'arrives là-bas, t'as tous les mecs habillés en robe. Parmi les mecs habillés en robe, t'en as un qui est là pour te défendre. Le mec, il est habillé en robe, va me défendre. Et s'il faut se battre, on fait comment? En plus, les juristes, quand ils parlent, ils utilisent des mots, il n'y a que eux qui peuvent comprendre. Parce que eux, ils ont étudié pour parler comme ça. Et nous, si on est en face d'aujourd'hui, ce qu'on n'a pas étudié en fait. Et il me parlait, je ne comprenais pas. Mon juge, il vient me voir, il me fait « Oui, la Cour de cassation a débouté l'appel. » Joker. D'après l'article 24-5-6-7-8-9. Tu vois, je pensais à la fin, j'allais entendre le numéro complémentaire et le 4, je ne comprenais pas, tu vois. Vraiment... Vous savez quoi, je recommençais? Parce que pour moi, vous avez pas assez rigolé. D'habitude, ces blagues marchent mieux, du coup, je sais ce que je fais, je recommençais. La dernière fois qu'il y a autant de personnes, c'était au tribunal, merci. Ah, c'est chelou le tribunal, vraiment. Alors, mon juge, il vient me voir, il me fait « Oui, monsieur Ben Bardabout, vous allez prendre 3 mois avec sursis. » Je lui fais « Non. » Je prends 3 mois avec personne, qu'est-ce qui t'arrive? Vous savez, moi j'ai un grand frère, il m'a dit quoi que tu fasses dans la vie, fais-le à fond. Du coup, j'étais en cours d'assises directe et j'ai pas le temps, c'est le plus grand niveau. Et pareil, j'arrive là-bas, je comprenais pas, le juge il me fait accuser, levez-vous. Je fais oh. Il y a écrit quoi à l'entrée là? Cours d'assises, c'est un piège, je me lèverai pas. Et ça va, je m'en sors bien, je m'en sors bien. Le juge il voulait mettre 3 mois avec sursis, j'ai pris 2 mois ferme, j'ai gagné 1 mois. Ceux qui n'ont pas compris, demandez aux autres. En vrai, j'ai jamais été en prison. Au contraire, j'ai fait du droit, mais on me croit pas. J'ai fait du droit, on me croit pas, c'est chiant. Du coup, maintenant, je fais plaisir aux gens, je m'invente des vies. Je dis que j'étais en prison. J'ai pété un père. Quand il y a eu que tu fais quoi dans la vie, bah dis-moi qu'est-ce que t'as envie que je fasse. Dis-moi, je m'invente des vies. On est trop sur les apparences. Du coup, je m'invente des vies. Donc là, j'étais à l'hôpital il y a pas longtemps, merci d'être venu. La dernière fois qu'il y a autant de personnes, c'était à l'hôpital, merci. À l'hôpital, c'est bizarre comme endroit. Hein. Déjà, t'arrives là-bas, t'as tous les mecs habillés en blouse. Parmi les mecs habillés en blouse, t'en as qu'à la porte soignée. Et s'il faut se battre, on fait comment? Je sais pas. Vous savez pas le temps que j'ai mis à écrire ça. Je vais être sérieux avec vous. Il y a un truc qui m'énerve à l'hôpital, c'est les urgences. On est d'accord, les urgences, ça porte mal son nom. Parce que quand il va, il n'y a rien d'urgent, tu vois. Parce que tu sais, au bout de 4, 5, 6 heures d'attente, c'est plus une urgence. C'est un rendez-vous. Et des fois, t'attends, t'y es, t'oublies ce que t'as, t'sais pas pourquoi t'es là, t'as froid, t'sais, t'as un truc, t'as même plus mal. T'sais, t'as juste froid, t'as même plus mal. Excusez-moi, monsieur, vous êtes là pourquoi? Bah, je perdais du sang, mais là, j'en ai plus, tu vois, c'est. Je pense que les médecins sont tellement galérés pour avoir leur diplôme qu'ils nous font galérer, tu vois. C'est. Je pense que dans la vie, il y a 2 métiers qui sont durs. C'est être médecin et attendre le médecin à l'hôpital. Voilà, c'est. Médecin, c'est utile, on est d'accord, comme métier, on respecte. Il y a des métiers inutiles. Policiers municipaux. Oh, je suis désolé s'il y en a dans la salle. Oh, les gars, vous servez à rien. Et là, avant de venir, je me fais arrêter par la police municipale. Ils me font « Monsieur, calmez-vous. » Je leur dis « Sinon quoi ?» Ils m'ont dit « Sinon, on appelle la vraie police. » La vraie police, ils sont venus, ils m'ont dit « Monsieur, calmez-vous ». Je dis « Sinon quoi ?» Ils m'ont dit « On parlait pas à vous, on parlait à la police municipale. » Ils m'ont laissé partir parce que j'étais un bon français. Voilà, je leur ai dit « Je suis un bon français. » Je leur ai dit « Voilà, je n'en ai pas besoin, je suis français. » Et je sais que je suis un très bon français et je suis fier de l'être. Voilà, j'ai envie de le dire. Voilà, faites ce que vous voulez de cette information. Je suis fier d'être français, je suis un bon français, je le sais, parce que l'autre jour, j'étais au travail. Il y a 2 collègues à moi qui sont partis en avance. Et j'étais voir mon patron, je dis « Monsieur, il y a 2 collègues à moi qui sont partis en avance. »
Et il m'a dit, c'est bien Youp, t'es un bon français. Je lui ai dit, merci monsieur, on me l'a jamais dit, ça fait plaisir. Je fais comme je suis un bon français, il y a moyen de vous m'augmenter un peu? Là, il m'a dit, t'es trop français, calme-toi, Youp, oublie pas tes origines. Merci, c'est tout pour moi, c'était Youp. Merci. Merci beaucoup, Youp. Quel génial.